Eh bien salut à tous, c'est Félix Thomas pour AndroGames.fr et on est sur le jeu Flockers. Donc c'est un jeu qui reprend en fait le principe de Lemmings. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'était un jeu qui est sorti il y a perpète, hein, il y a plus de 20 ans. Et donc en fait le but c'était, on avait des petits personnages qui se baladaient sur une map et il fallait leur donner des ordres, hein, les faire creuser, les faire avancer, les faire sauter, les faire creuser, enfin, tout ce que vous voulez. Pour en fait éviter les obstacles de la map ou les faire traverser des montagnes, etc. Enfin tout ce que vous voulez. Et tout ça pour arriver à un point d'arrivée à la fin de la map et de faire en sorte qu'un maximum de lemmings arrive à ce point d'arrivée. Et là c'est la même chose sauf que on n'a pas des lemmings, on a des moutons. Et je vois que l'image a disparu, c'est pas grave. Voilà. Ok, on est bon. Et donc je disais, donc on a à la place des lemmings, on a des moutons, donc ça reprend le même principe. Et là où c'est un peu intéressant aussi, c'est que l'éditeur de ce jeu Flockers, c'est le même éditeur que celui de Worms, donc Team 17. Et c'est là où ça peut être sympa parce que nos moutons qui sont là, du coup, c'est les mêmes qu'on retrouve dans Worms. Et on aura aussi dans le jeu, dans les parties, quelques petits trucs qu'on va retrouver. Qu'on a dans Worms et qu'on va retrouver dans ce jeu. Donc je vais peut-être pas faire le niveau 1, on va peut-être faire le 2, allez, pour vous présenter un peu ce que ça donne. Et puis je pense vous montrer 2-3 niveaux que j'ai déjà fait, et puis après on va en découvrir d'autres ensemble. Alors là, en fait, non, ça je vais vous expliquer, hein, tout simplement. Alors là ici, il y a nos boutons, quand on va appuyer sur le play ici, ils vont sortir ici. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est les faire arriver à ce point d'arrivée là. Et je pense qu'attendez 2 secondes. Ok, là vous voyez où j'ai mes doigts sur l'écran. Enfin, le petit point, c'est là où j'appuie. Donc ici c'est le point d'arrivée. Et là c'est l'entrée. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est traverser tous les obstacles qui sont là et faire en sorte qu'ils arrivent vivants au point d'arrivée. Et puis à chaque niveau on a aussi ici un bouton en or, enfin non, une toison d'or. Bon, c'est un bouton doré quoi. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est l'attraper. C'est un peu plus dur que de faire le parcours en lui-même. Enfin, c'est un obstacle en plus. Et bon, ça donne des points en plus si on le fait. Donc alors là, je vais les faire partir. Ça, on a nos moutons qui descendent. Là, ce qu'ils vont faire, je pense qu'ils vont aller sur le téléporteur en dessous là. Ouais, quand on navigue sur la map, il y a les moutons qui s'arrêtent. Voilà. Donc là, ils vont prendre le téléporteur en dessous. Ils arrivent au-dessus et là ce qu'il faut faire c'est on a un pouvoir et bon là ok, donc là c'est la première fois qu'on a à faire ça. Ok, là il y a encore le tutoriel et là il saute. Donc en fait ce petit pouvoir il sert à les faire sauter. Vous voyez que là je vais pas vous le faire sur ceux-là. Si eux j'ai pas mis le chapeau, eux ils sautent toujours pas et du coup bah ils se retrouvent encore en haut dans le téléporteur. Donc ce qu'il faut que je fasse, je vais leur donner un par un ce truc. Ok, trop tard. Ah. Ok, bon, faire plus simple, tac, tac, voilà, là ils ont le chapeau. Parce qu'en fait on peut soit les sélectionner un par un, soit les sélectionner tous ensemble. Donc on va faire au plus facile. Hein. Tac, donc là la plateforme descend et là ils arrivent au point d'arrivée. Bon ça va, au début c'est pas trop compliqué. Et puis là il n'y avait pas d'obstacles qui peuvent les tuer, donc on pouvait encore se rater et puis c'était pas trop grave encore. Mais après vous verrez que ça devient plus compliqué et qu'on peut recommencer le niveau aussi. Je vous montrais celui-là, le quatrième, parce qu'il y a un truc spécial avec. Alors, dans ce niveau... alors, où est-ce que c'est... Voilà, on a ici ce qu'ils appellent un niveau caché. Bon, il n'est pas tellement caché, hein, enfin... Peut-être qu'ils sont plus cachés dans les prochains niveaux cachés, je ne sais pas. Et donc en fait ça nous donne accès après à un niveau supplémentaire dans le jeu. Et là notre point d'arrivée il est ici là. Celui-là. Donc vous voyez là il écrit 0 sur 3 en fait. Ça veut dire que pour débloquer le niveau suivant, il faudra faire arriver en fait au moins 3 moutons. Et des moutons on en a 5 au départ. Donc ça veut dire qu'on peut en laisser mourir 2, c'est pas trop grave a priori. Donc là je vais faire partir. Est-ce qu'il faudra faire... Ouais. Tac. Je pense que je vais en faire sauter un pour qu'il aille appuyer sur le bouton en dessous. Non, ils vont tous sauter en fait. Mais
Tac, pas celui-là, là il saute tout de suite. Voilà. Ça j'ai. Ah, faut pas qu'il meure lui. Voilà. Comme ça j'ai eu la toison d'or. Ce qui permet juste d'avoir plus de points, rien de plus. Mais c'est toujours sympa de faire les niveaux en entier. Donc là normalement je devrais tous les faire arriver au point d'arrivée. Ouais, c'est bon. Donc là on a des scies, hein, mais là c'est vraiment pour faire joli ou pas. Elles vont pas me faire de mal. Et là ils vont passer tranquillement et j'arrive. Ok, ça c'est bon. Donc là j'ai 5 sur 3, j'ai tous mes moutons, j'ai la toison d'or, j'ai le niveau caché. Et voilà. Donc là en fait les points ça. On a en fait 3 étoiles. Les étoiles qui sont distribuées selon si on arrive à terminer le niveau, selon si on a eu la toison d'or. Ah, la toison, ouais, donc ça doit donner des points en plus, et en plus ça donne une étoile. Et si on a fait le niveau dans le temps imparti, ça donne un total de points, et puis on gagne aussi de la laine. Donc la laine qui va servir en fait à acheter, si on veut, de nouveaux moutons. Donc vous voyez qu'en fait là j'ai pas tellement joué encore, enfin peut-être une demi-heure, et j'ai déjà gagné assez de laine pour débloquer le mouton que je veux. Bon, je pourrais pas en débloquer deux si je prends ceux de la fin, mais vous pouvez voir que bon, d'ailleurs, je vais en débloquer, hein. Ça peut être sympa. Quoique j'aime bien le premier, hein, moi, mais il y a un peu de tout, mouton noir, buisson élagué, plus de la besaille. On voit que c'est les mêmes éditeurs que Worms, hein. Ils ont vraiment de l'imagination pour les noms. Mouton français. Porte de pointe. Mouton angélique. Pie, squelette. Doux. Ok. Cyber mouton, mouton pirate, mouton zombie. Et 8-8. Moi je vais prendre le mouton angélique là. Ouais. Voilà. Il va être joli. Bon, après évidemment, hein, si on veut en débloquer plus, ça se passe ici pour acheter de la laine supplémentaire. Et ça va, c'est correct les prix. Enfin, je trouve. Là, ça nous fait 65 000 pelotes de laine. Je pense que 5 euros, c'est... Ah ouais, non, le jeu en lui-même coûte déjà 2 euros. Donc ça, c'est 5 euros supplémentaires. Ouais, ça fait 7 euros si on veut... Si on veut pas s'embêter. Et tout débloquer. Bon, ça va, je trouve que c'est correct par rapport à d'autres jeux qui proposent de payer des sommes monstres. Et puis là, je vais faire du coup le niveau caché. Vu que vous avez vu que j'ai débloqué un niveau caché, bah autant vous le montrer. Et là, c'est un niveau assez spécial vu que. On donne pas de pouvoir aux moutons, c'est vraiment juste un truc de visée. Je sais pas ce que ça sera les prochains niveaux cachés, mais là vous voyez que si j'appuie sur le pour faire sortir les boutons, il y en a un qui sort. C'est logique pour faire arriver le plus possible au point d'arrivée que vous voyez, hein. Et là je les ai tous tués, donc je vais recommencer. Je vais faire ça un peu plus proprement. Tac, donc là je dézoome pour voir. Ouais. C'est plusieurs ici. Tac. Ok, j'en ai tué un. Désolé les moutons. Je suis au moins de faire le chiffre qu'il demande. Bon, juste un petit là. Ok, c'est bon. Allez, le 9e. Non, bon. 8 sur 8, pile poil. T'en demandez pas plus. Et si vous voulez toujours gagner des points et des pelotes de laine. On les gagne assez vite, hein, les pelotes de laine. Ça va, c'est vraiment pas abusé sur ce point. Et je trouve que les 2 euros du jeu sont très vite rentabilisés, donc ça va aussi. Je vais peut-être faire le. Je sais pas. Ah, le niveau là, c'est un niveau quoi celui-là? Je sais pas, mais c'est un niveau spécial. C'est peut-être. Ouais, c'est un niveau qui introduit à une nouvelle partie. Non, je sais pas. Un B. Ah, je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Enfin, comment ça. Je sais pas, c'est un niveau spécial, mais peut-être un peu plus dur. Je ne sais même plus ce qu'il y a dedans en fait. Donc je sais plus.
Ouais, non, il est pas si compliqué que ça, mais faut juste réfléchir un peu, quoi. Peut-être qu'après ils sont vraiment durs, je sais pas. En tout cas, là on a toujours 5 moutons. Je crois qu'après, on est dans le jeu, à la suite du jeu, on aura plus de moutons à faire passer. Pour l'instant, on en a que 5. Et là, j'ai des pouvoirs que vous avez pas vu encore. Donc en fait, celui-là, il sert en fait à faire qu'un mouton s'arrête. Et il y a deux moutons qui s'arrêtent en fait et qui se superposent. Et ce qui empêche les moutons précédents de passer. Je vais vous montrer ça. En fait, là, si je les laisse. Hein, je sais pas. Si je les laisse aller comme ça. Donc il y a les 6 qui vont arriver et puis évidemment ils vont mourir. Ah non, c'est pas gentil pour les moutons. Et donc je vais devoir recommencer ce niveau et utiliser le petit pouvoir là. Et là je vais faire ça correctement. Et je vais essayer de pas me rater parce que je sais que ça c'est faut bien timer les trucs après. Donc là je vais les faire partir. Je vais mettre mon petit truc ici. Donc là vous voyez, les boutons ils prennent la place des carrés, ils se superposent et du coup ça les empêche de passer les autres. Ce qui fait qu'ils vont pas les suicider avec les scies. Et la scie elle a le temps de venir et de repartir normalement. Ouais voilà. Ok, elle se dépêche un peu quand même parce que sinon on va s'ennuyer. Là j'utilise ça pour détruire. Enfin pour les faire revenir normalement quoi. Et puis là. Tac. Je viens de ramasser un truc en fait. Ah zut, j'ai pas pu. Ouais, voilà. J'ai ramassé un truc. Enfin, je vous explique. Il y avait, si vous voulez revenir pendant la vidéo pour voir, il y avait une sorte de petit ici là. Ici, il y avait une petite boîte avec dedans le pouvoir du saut qu'on a vu au niveau précédent. Et du coup, quand ils ont attrapé la boîte, j'ai pu utiliser le pouvoir du saut et le donner à celui qui était derrière. Pour qu'il attrape la toison d'or. Et là, bah, ça leur permet tous de passer. Ah, ok, ils sont allés se suicider. J'ai oublié qu'ils repassaient au-dessus. C'est pas grave. Bon, on va recommencer le niveau, comme ça vous allez pouvoir voir la boîte. Le temps que je vous explique, évidemment, j'avais oublié la suite du niveau. Bon, c'est pas grave. Tranquille. Vas-y. Écarte-toi. Aïe 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 aïe. J'ai bien le temps de lui donner le pouvoir. Voilà, il y a le pouvoir qui apparaît et je le donne au dernier. Et là il va sauter. Voilà. Et il attrape la toison d'or. Il se remet bien dans le groupe hein. Il est sage. Et du coup, hop, je me dépêche. J'ai ça à mettre ici. Ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ah non, ne bouge pas. Ok, donc là il y a mes moutons qui vont sagement au téléporteur et puis là je vais directement passer si j'y arrive. Voilà. Une petite carrière ici, comme ça, voilà, ils ont le temps de passer le téléporteur et d'utiliser les petits carrés, enfin de se placer. Et là. Ouais, il faut que je leur mette tous la fonction de saut pour qu'ils passent sur la plateforme après. Et quand ce truc là sera assez près, ne vous inquiétez pas, hein, il va s'arrêter. Voilà. Tranquillement. Voilà, donc c'est les premiers niveaux encore, hein, donc c'est pas encore très 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 compliqué. Bon, je pense que la difficulté va assez vite augmenter par la suite. Pour l'instant, c'est toujours de ce même type, hein, les niveaux que j'ai fait. Je crois que c'est. J'ai fait qu'un seul de plus, même pas. Ah, j'ai. Ouais, bon, j'ai fermé le truc avant de voir le nombre de points, c'est pas grave. Ouais, le 2-1, je l'ai pas encore fait. Donc, c'était le dernier niveau que j'ai fait. Donc, celui-là, comme ça, je le découvre avec vous. Alors, voyons voir. On a. Ok, ça, c'est la sortie. Donc, il faut 5 moutons à la sortie et 3 à l'entrée. Attends, donc on gagne 2 moutons. Ah ouais, d'accord. On a 2 moutons qui dorment sur le chemin. D'accord, normal. Ok, y'a pas de problème. Il y a une scie, un téléporteur, il y a une toison d'or tout le temps. Ok, donc on va prendre le téléporteur à gauche. Ils vont aller ici, à droite. Si je les fais pas sauter, ils vont se faire tuer par la scie. Donc ça va pas être bon. On va bien voir. Ah ok, on a un pouvoir de vol. Donc j'imagine qu'il va falloir les faire voler quand ils vont passer le téléporteur. Ok, donc je me prépare.
Là, j'ai activé le pouvoir de vol. Donc là, hop, toi tu voles. Toi tu voles. Toi tu... Ah non, bah, faut voler les gars. Sinon ça va pas le faire. Ok, donc c'était pas comme ça qu'il fallait voler. Bah, je sais pas moi. Bah, je peux pas deviner. Hein. Vous voulez comment les gars? Est-ce que toi si tu voles à partir de là, ça marche ou pas? Non, si vous voulez tous. Ah, c'est pour... Ok. C'est pour monter sur les murs. Ok, faire comme si c'était des petites marches. Ok, bon, ça va, c'était pas du tout compliqué. Ok, c'est du no problème. Moi, je dis next level. J'ai pas ma toison d'or. Ah ouais, ok. J'ai oublié de prendre la toison d'or. On va le refaire avec la toison d'or pour augmenter un peu la difficulté. Allez-y, je suis prêt. Tac, tac. Monter tout ça. Du coup, on fait quand pour la toison d'or? On a un truc, ça se passe comment? Je vois pas comment on doit faire. Ah si, ok, j'ai compris. Je recommence. Tac, donc je les prends. Bon, allez, on va faire deux. Il y en a deux qui vont voler. Ce qui fait que eux ils vont monter, appuyer sur le bouton, et puis l'autre qui fait demi-tour. Donc le temps qu'il fasse demi-tour. Ok, donc la scie est partie, ce qui fait que là il va pouvoir tomber. Voilà, et lui il va du côté de la toison d'or. Non, il est... Ok, il est mort. C'est dû à nos problèmes. Comment on fait pour ne pas tuer des moutons quand ils sautent? Bon, on va repartir, mais je crois que l'idée était là en tout cas. Et si j'essaye de lui donner... Toi vol, voilà. Toi vol aussi, non? Voilà, bon, c'est pas. Tac. Ça, j'aurais mis des caps aussi, ça se trouve. Peut-être qu'avec la cape, ils vont atterrir plus doucement. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Fait juste réfléchir 30 secondes. Voilà, là j'ai tout. Là, hop, on va passer au niveau suivant. Enfin, je vais faire 2-3 niveaux et après je vais arrêter la vidéo et je vous laisserai si vous voulez essayer par vous-même. Ça, moi je trouve ça sympa comme jeu. Hein. Puis jeu de réflexion en plus, les graphismes sont plutôt pas mal. On voit que c'est travaillé et puis c'est les moutons de Worms, hein, donc on va pas dire non. Puis là on en a pas vu dans les niveaux que j'ai fait, mais alors du coup vous allez monter hop comme ça. Enfin, tous, hein. Ouais, parce que si vous êtes demi-tour, il y avait la scie. Ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le niveau. Ok, donc là, il y a la scie, c'est pas bon. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils montent. Mais comment on les fait monter? Alors là, bon, là, j'imagine qu'ils vont tous se suicider, aller suicider. Ouais, c'est ça. Ok, donc il y a un truc à faire, mais c'est... Ok, faut les faire monter. Excusez les gars, j'ai pas regardé le niveau avant de commencer. Ce qui fait que je vais placer... Ah, tu me laisses travailler s'il te plaît. Là, moi je voudrais placer un truc ici. Tac. Donc normalement si je fais ça ici, ils vont se placer de cette façon là. Vous allez tous... Bon. Ah, il est 5, voilà, vous se mettez tous comme ça. Ce qui fait qu'il y en a deux qui vont se placer et puis les autres vont pouvoir monter. Voilà, tout comme prévu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit il y a le téléporteur qui veut nous téléporter à l'intérieur et on meurt, ok. Soit on descend, on prend la toison d'or et on remonte. Il se passe quoi là? Est-ce que il aime le téléporteur ou pas? Ok, il passe en dessous. Ça se passe plutôt pas mal. Ok, j'ai compris. Donc le téléporteur, c'est pas pour nous faire suicider en prenant avec la 6, c'est juste pour pouvoir récupérer la toison d'or. Tac, donc on va recommencer. Ah, il y a la petite animation à chaque début de niveau, ce qui fait qu'on peut pas directement commencer. Alors toi, les deux premiers je les laisse. Toi tu te mets un mouton, un super mouton. Oula, 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 j'aime pas ça.
J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Comment on fait? Parce qu'on peut. Je crois pas qu'on puisse leur enlever leur cape. Je crois pas du tout même. Ah mais y a pas besoin d'enlever la cape. Ah mais j'étais bon tout à l'heure en fait. Moi je croyais qu'il fallait enlever la... Enfin, je sais pas pourquoi. Dans ma tête je pensais qu'il fallait enlever la cape, je sais pas pourquoi. Fallait qu'il passe en dessous sans cape. Bon c'est pas grave. Ah, on va faire super bouton à tout le monde. Y a pas de problème. Tac. Voilà, ils avancent, les autres ils montent. Ils appuient sur le bouton, ils font lever la scie. Toujours pas de problème. Ah si, voilà pourquoi je voulais qu'ils aient pas de cap. Parce que sinon ils peuvent pas faire demi-tour en bas. Du coup, eux, je peux les... je sais pas comment faire. Je vois pas trop comment faire. Je vais les enlever là. Ils vont avancer. Mais du coup ça fait pas de... Ils font pas demi-tour en bas. Non je vois pas. Ah, il fait demi-tour, il fait demi-tour. C'était ça l'astuce. Mais pourquoi quand quand ils étaient à gauche ici, en les mettant superposés comme ça, ils faisaient pas demi-tour, ils voilà, ils montent dessus. Pourquoi ils font demi-tour juste en tombant dessus? Ok bon c'est pas. Donc, j'ai trouvé la solution, je sais pas trop comment ça se passe ce truc, mais j'ai trouvé. Ok donc là j'ai ma trésor d'or, on va pouvoir continuer. Et eux ça marche pas. Ok donc j'ai rien compris mais ça marche. Donc c'est tout bénef. Même si j'ai rien compris. Ok c'est pas grave, c'est pas grave. Bon j'ai pas mes points de temps mais c'est pas grave. Au moins j'ai ma toison d'or, je suis content. On va pouvoir passer. Ouais, j'ai déjà eu le truc de temps avant donc c'est pas trop grave. Pourquoi au niveau de 1 le mouton d'or il est vraiment en or alors que tous les autres c'est juste du rouge. Bon, le niveau caché il n'y avait pas de toison d'or. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, on a des petites astuces comme ça à chaque niveau, je les ai même pas vues. Toucher, maintenir, faites glisser sur une aptitude pour sélectionner plusieurs moutons et les leur attribuer. Ok donc c'est vraiment ça revient au tutoriel. Hein. Il suffit d'avoir le tutoriel pour lire les astuces. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a 5 moutons au début, on doit en faire passer au moins 4. D'accord, on a notre toison d'or qui est ici. Et on a des petits pièges pas sympathiques, d'accord. Donc alors, si j'arrive, je les laisse tomber. Au début, ils appuient sur le bouton, ça fait descendre la plaque en bas, enfin j'imagine. Quand ils arrivent en bas. Donc quand j'ai, ok, donc quand je vais appuyer sur le bouton rouge, ça va faire enlever ça va faire passer les pics au-dessus. Donc je vais les faire remonter par là. Ouh là, je sais pas trop. Ça devient de plus compliqué, hein. Bon allez, vous savez quoi? On va les faire partir et moi je dis YOLO. Non, elle réfléchit un peu quand même. Je fais quoi là? J'en fais passer un. C'est ce que je vais faire. Ah bah non. Ah ok, ça se... Non, bah je sais pas. Je peux en faire sauter, je peux les faire voler. Ouais, je vais en faire sauter un. Les autres ils vont aller en bas. Là ils vont s'appuyer sur le bouton. Ah est-ce que ça va être assez... Ah ok, il meurt en tombant. C'était pas prêt.
Donc, on a dit... bon, en fait, je vais les faire voler d'abord. Juste le dernier. Voilà, comme ça, ils ont le temps d'appuyer sur le bouton en bas. Voilà. Toi, je peux pas te donner un chapeau. Ok, donc ceux qui... Ah, ils peuvent avoir une cape et un chapeau en même temps. Désolé, mais moi, je me mets au dehors. C'est comme ça. Moi, quand il y a un truc compliqué dans un niveau, je vais le faire. C'est comme ça. Je suis comme ça. Toi... Tac, tac, tac. Toi, un bonnet, et puis toi, un bonnet. Non, mon tout. Ah, pourquoi je vais donner un bonnet, lui? Donc, pas grave. Toi, un bonnet. Voilà. C'est bon. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Du coup... Ouais, bah c'est bon, ils font demi-tour, tranquille. Ah. Il est mort, on en a 4, c'est pas grave. Au moins, on a tous les points. Enfin, du moins, toutes les étoiles. Tous les points, je sais pas, mais... Au moins, toutes les étoiles. 4 moutons sur 4, la toison d'or. Voilà. Je pense que c'est suffisant, on a juste tué un mouton. C'est pas trop dramatique. Allez, on va faire un dernier petit niveau. Puis on va s'arrêter là parce que... Je pense qu'on a, on a déjà fait... Enfin, ça fait déjà une bonne présentation du jeu. Et là, on a 7 boutons au début, voilà. On passe de 5 à 7, donc ça va augmenter petit à petit dans le jeu. Et je pense que quand on aura plein de moutons, ça va vraiment devenir intéressant. En tout cas, c'est quoi ce truc? Ok, donc ça donne le pouvoir des moutons qui volent, enfin du moins qui escaladent les murs et qui tombent moins vite. Parce qu'ils volent pas tellement, hein, les moutons qui volent. Donc si je les lâche là, ils vont se faire scier, c'est le cas de le dire. Ok, on va faire, faut les faire faire demi-tour. Ensuite, on attrape le mouton doré. On l'a besoin de sauter. On appuie sur les boutons, le bouton ça a enlevé ici. Ok, c'est simple. Faut juste mettre ça ici. Et on peut y aller. Yolo. Okay, ils font demi-tour. Il y en a un qui saute. Ou deux qui sautent. Faut le dire, hein, si mon doigt est trop gros. Voir du truc qui vole, ok. Tout se passe comme prévu pour l'instant. Ça, c'était pas prévu par contre, mais c'est pas grave. Non, ça fait partie des choses qui. Bon, demi-tour ici, c'était pas prévu non plus. J'ai oublié de leur donner le pouvoir. Est-ce que vous pouvez passer sans vous faire écraser, s'il vous plaît? Ça serait très gentil. Tac, tac, vous pouvez y aller. Vous sautez, il en faut combien? 5. Bon, faudrait qu'il y en ait au moins un des deux en dessous qui... Bon, les deux vont mourir. Non, adieu, petit mouton, s'il vous plaît, ne me... Ah. Je veux pas voir ça. Bon, ça fait de la laine quand il meurt, c'est pas ultra gore, donc. Mais je crois que dans les options, il y a... voilà, on peut décocher ce truc. Et ça fait du sang à la place de la laine quand il meurt. Mais ça reste... tellement dans l'univers du jeu, ce qui, à la base, si c'est les moutons de Worms, c'est vraiment dans un univers assez fun. Donc le sang, ça va pas trop avec, hein. Je vous montre ce que ça fait avec le sang, et, directement, on va les faire directement suicider. Ici, allez, hop, voilà, la petite animation de sang. Moi, perso, je préfère la laine quand même, hein. On n'est pas là non plus pour égorger les moutons. Moi, je veux qu'il passe quand même. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Toi, tu voles. Et là-bas. Ok, donc c'était ça. Mais là, on peut pas tous les faire passer. Hein. C'est pas possible, a priori. Ce que j'ai fait, en fait,
C'est que genre, quand ils étaient là, puis j'ai pas oublié de faire ça. Quand ils étaient en dessous là sur la dernière marge, j'en ai fait sauter un en fait pour qu'il saute et du coup qu'il aille plus vite que le truc qui descende. Ce qui fait qu'il fait pas se tuer, donc il y a son copain qui a ramassé le truc avec l'objet, il s'est fait douiller. Mais l'autre avec je l'ai fait sauter, donc il est passé devant et il a pas eu le temps de mourir. Du coup il a appuyé sur le bouton et je lui ai donné la cape, il a sauté. Enfin il a volé. Et voilà, on en a 6 sur 5. Enfin 6 sur 7 qui sont passés. Mais voilà, ils sont tous passés. Enfin, on en a assez en tout cas. Bon bah j'ai refait le niveau, j'ai fait je l'ai fait en un temps record, mais j'ai toujours pas le truc de temps. Je ne comprends pas, c'est pas grave. De toute façon on va dire qu'on n'en a pas besoin. C'est pas grave, en tout cas on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait... Ouais, ça je pense que la vidéo aurait bien pas mal duré, là j'ai joué pas mal. Ah ouais quand même. Ok. Donc je pense que vous avez bien eu le temps de découvrir le jeu avec moi. En tout cas je trouve que le jeu est vraiment pas mal, hein. Donc pour rappel il coûte 2€, enfin 1,99€ sur le Play Store, puis pareil sur iOS. Et moi je le trouve vraiment sympa, hein, ça, le principe des Lemmings qui est toujours aussi cool. Et la touche voilà, avec le même style d'univers que Worms, c'est sympa aussi. Enfin, l'univers est pas le même vu que ça se passe dans un truc avec des machines et tout, ce qu'on se retrouve pas dans Worms, mais c'est le style graphique et tout, c'est à peu près la même chose que Worms. C'est plutôt sympa. Puis on a des succès aussi sur le Google Play. Puis il y en a pas mal aussi, je crois, ouais. 20, j'en ai 7 pour l'instant. Le contenu qui est plutôt sympa, je crois qu'on a 60 niveaux avec 18 moutons en tout à débloquer. Puis c'est tout, hein. Après bon, si vous voulez acheter pour tous les débloquer d'un coup, à vous de voir. Tac tac, ouais, bon c'est bon, on a fait le tour. Du coup, si vous voulez voir les 60 niveaux, enfin, en tout cas je crois que c'est 60, hein, de ce que j'ai vu. Voilà. Et puis on a un super boss à la fin apparemment. Il a pas l'air commode. Bon, il n'y en a aucun qui a l'air commode, hein, de toute façon. Ouais. Ils sont plus petits, hein, quand même au début. Et celui à la fin est vraiment gros. A voir. À voir. Peut-être que je referai une vidéo quand j'y arriverai. En tout cas, on va cesser là. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager si vous voulez. Et puis pourquoi pas télécharger le jeu, enfin l'acheter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.